L'arrivée d'Odilon Kosonou est déjà la bienvenue. Parce qu'on avait besoin d'un défenseur de cette taille. C'est quelqu'un avec le cœur. Un joueur que j'apprécie beaucoup. Et lui, il peut booster la défense ivoirienne. Et lui, je sais que l'équipe, la défense, ça va aller de loin, très loin, et que la Coupe nous revienne. Ah, je me présente Touré Kaba, ex-international footballeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en maillot de Odilon Kosonou parce que c'est un jeune défenseur qui mérite une belle carrière. Parce qu'on a un problème à la défense ivoirienne. On a vraiment besoin de Kosonou Odilon pour relever le défi. Parce qu'avec son talent qu'on voit et son jeu défensif, on sait qu'il peut bien apporter dans l'équipe nationale. C'est pourquoi on a décidé aujourd'hui d'aller faire une surprise à Kosonou Odilon à l'aéroport. Nous avons deux matchs, un match amical et aussi un match pour la qualification. C'est un plaisir pour moi de voir des jeunes frères, des amis et tout venir m'accueillir. Ça fait plaisir et cela m'honore vraiment pour moi. Et là, ça me permet aussi de rentrer vraiment en sélection avec bon état d'esprit et je pense que c'était vraiment bien. Le dernier match, oui. c'est pas un match référence pour moi. D'accord. Ça peut arriver de perdre des matchs et tout, mais pour moi, je me focalise plus sur l'esprit du groupe. Je pense que là, l'esprit est posé, l'esprit est bien et nous sommes tous conscients que nous avons une CAN qui va se passer chez nous ici. Donc, on se base pas sur ce match-là. Ça fait maintenant un bon moment que je suis avec l'équipe nationale. J'ai déjà participé à une CAN au Cameroun. Et l'état d'esprit, il est bien. Il est fort. Il est bien. Donc, d'accord. La cohésion et tout, ça se passe bien. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand il y a les stats, maintenant, il figure parmi les défenseurs qui a plus de minutes. Ok. Et aussi, c'est un Bundesliga. Donc, je pense que, avec ce que j'ai moi sur le terrain et tout, le coach doit me donner aussi la chance de pouvoir m'installer en tant qu'un défenseur titulaire. Et c'est tout mon souhait. Je pense que cette CAN-là, ça sera une belle CAN. Vu que c'est chez nous et tout, et avec le public que nous avons, je pense que si nous sommes tous soudés, le public, le joueur et tout le monde,
Ça sera une belle canne. Ça sera une belle canne. Parce que jouer une canne chez soi, je pense que c'est vraiment... Il n'y a rien de plus beau. Et il y a aussi l'engouement, la motivation et tout. Et je pense que chacun va aller puiser toutes ses forces. Mon rêve, c'est toujours d'être au top, au haut niveau. Arriver vraiment dans des grands clubs. Là, déjà, je suis au Bayer Leverkusen. C'est déjà un grand club en Bundesliga et tout. Et j'ai un contrat jusqu'en 2026. Je pense que je suis là sur le bon chemin. C'est toujours travailler chaque jour pour s'améliorer. Je suis encore un jeune joueur et je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre. Mais avec le temps, le chemin encore long, mais on va y arriver.